Saint-Symphorien-sur-Coise, 3500 habitants. Ici, comme à chaque fois, on vit une semaine un peu particulière. Dans trois jours, Lyon affronte Saint-Étienne, autrement dit, c'est semaine de derby. Eh bien, chez nous, on est la famille moitié vert et pour les verts et puis moitié pour l'OL. Alors, les discussions des moments... Moitié pour l'OL, l'autre pour la SSE, c'est bien ça le problème. Saint-Symphorien-sur-Coise est à 40 km de Lyon, mais aussi à 40 km de Saint-Étienne. Du coup, au resto-bar Le Derby, on se mouille pas trop. On s'appelle Le Derby, c'est pas pour rien. Donc on a les équipes, les supporters des Lyonnais, les supporters de Saint-Étienne. Et on lance des petits pics, voilà, on se chahute, mais j'ai jamais vu des gens dire des mots plus haut que l'autre ou quoi que ce soit. Un peu plus loin, dans le village, deux autres bars, un de chaque côté de la rue. Chez Patou, on supporte la SSE. Oui, bah là, c'est surtout le bar des Verts, le bar des Stéphanois. Quoi. Et chez David, on s'affiche fièrement avec le maillot de l'OL. C'est un bar lyonnais, bien sûr. Mais magie de Saint-Symphorien, entre les deux, aucune animosité. David peut même traverser la rue sans risque. J'ai pas des marques, il a pas des... Non, on sait jamais. Donc j'ai des clients aussi lyonnais, hein, c'est pas pour ça que... Le foot, pour moi, c'est pas la guerre, justement, loin de là. Cette rivalité dure maintenant depuis 105 matchs, mais l'histoire ne dit pas si le village compte plus de supporters stéphanois ou lyonnais.